Édition spéciale à Lyon, les Rencontres Capitales se sont installées dans le prestigieux décor de l'Université Lumière Lyon 2. Une journée de débat d'idées pour imaginer ensemble un autre monde. C'est surtout une réflexion collective sur une idée qui est d'envisager le monde autrement. À l'écoute, très attentif, des profs, des parents, des lycéens, des étudiants, c'est le principe des Rencontres Capitales, permettre au grand public une rencontre avec ceux qui changent le monde. C'est intéressant de débattre et c'est de là que peuvent jaillir les idées, c'est voir un peu différents points de vue. Et puis ça permet aussi de passer par un autre moyen, autre que les médias ou l'Internet, surtout. Invités à proposer leurs solutions, très concrètement, des intervenants spécialistes de l'économie, de l'environnement et de la science. La science n'a pas de solution aux crises économiques, sociales ou politiques. Mais elle peut, en revanche, aller jusqu'à définir des objectifs, des valeurs pour une société en crise. Mais on ne pourra pas résoudre ces problèmes s'il n'y a pas, au départ, une recherche fondamentale non finalisée qui donne les connaissances qui ensuite pourront conduire à des applications. Politiques, chercheurs, chefs d'entreprise, chaque intervenant est animé par le désir de transmettre aux jeunes générations des pistes pour construire leur avenir. Je pense que les solutions, on en a énormément et qui marchent. Le problème, il est dans la volonté politique de les appliquer et dans l'intérêt économique qu'il peut y avoir à les appliquer. Les industriels que nous sommes sont là pour être des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de technologies, et non pas pour résoudre les problèmes qui ressortent de l'administratif ou du politique. Après 40 ans de lassitude, n'est-ce pas, nous avons créé une nouvelle génération de jeunes personnes qui sont mieux que nous, qui vont pouvoir résoudre ces questions. Voilà les bonnes nouvelles. Merci. Des jeunes qui vont entrer dans le monde du travail, les questions économiques les intéressent donc tout particulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de sortir de la crise ? À défaut, combien de temps devrons-nous attendre cette sortie de crise ? C'est une crise profonde du système capitaliste. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du capitalisme. Il a traversé d'autres crises. Et que si l'on veut, à un moment donné, sortir de cette crise, ça nécessite des décisions à la fois au niveau national, mais à la fois au niveau européen. Et également au niveau international. La caractéristique principale de la France, c'est pas que les gens n'attachent pas l'importance au travail, c'est qu'ils sont en moyenne nettement plus malheureux au travail que dans les autres pays. Je crois qu'il faut qu'on essaie de trouver ce juste équilibre qui fasse que peut-être on ait plus de flexibilité sur l'ajustement des temps de travail et ainsi de suite sur la partie CDI, et qu'à contrario, les gens qui sont et qui participent à cette flexibilité externe, que ce soit les gens qui sont en CDD, que ce soit nos intérimaires, on leur apporte plus de sécurité. Ça nous concerne là, parce que nous on va rentrer sur le marché du travail dans 3-4 ans là à peu près. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont d'actualité et c'est important de s'y intéresser. La transmission au plus grand nombre, c'est bien l'objectif des Rencontres Capitales. Moi j'étais très intéressée par le fait que finalement c'était tous âges. Bon, il y avait plus de jeunes et puis des gens à la retraite, évidemment, il y a toujours une tranche d'âge qui est moins disponible. Mais j'ai trouvé intéressant qu'il y ait le mélange des deux. Et pour continuer à imaginer demain, prochain rendez-vous à Marseille en novembre 2013, 12 000 personnes sont attendues.